Je suis en direct de Fayence avec Morgane et je réponds aux questions pour Le Mensuel, site magazine culturel. D'abord, c'est un condensé d'anciens sketchs que les gens ont beaucoup de plaisir à revoir. Et puis des nouveaux sketchs que j'ai créés. Auparavant, quand je jouais sur scène, je faisais toujours un sketch et j'enchaînais avec un autre sketch. Là, on a trouvé bon et je trouvais bon de le théâtraliser. C'est-à-dire d'avoir une continuité. Et qui dit continuité, il dit unité de lieu. Alors le lieu, il a été facile à trouver, c'est le café. Ce café, le fameux café de mon enfance où j'ai grandi, où j'ai retrouvé tous mes potes, où j'ai abandonné ce vieux flipper. Et là, je me raconte. Parce que c'est toujours l'endroit où on a plus de facilité à parler, le café. Vous savez, au début, quand on est dans un café, on se regarde un peu. Puis on n'ose pas aborder les gens qui vous entourent. Puis quand on les retrouve tous les matins, les mêmes personnes, et ben voilà, il y a le lien qui se tisse. Le spectateur, en fin de compte, c'est un peu mon camarade de jeu. Et je lui parle et je me raconte. Alors, je parle de l'adoption, je parle du racisme, la banalité du racisme qui nous entoure. Je parle du mariage mixte, voilà. Voilà, c'est plein de thèmes qui, même quand je les ai écrits, ça me surprend parce que je constate que c'est toujours d'actualité. T'as déjà vu un noir gagner le Tour de France, toi? Non. Hein? Remarque un noir avec le maillot jaune. C'est avec ça qu'ils trouvent pas du boulot chez Banania. Oh, ça va, hey, oh, je suis pas raciste, hein, oh, hein, c'est eux qui sont noirs. Hein. Oh, 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 oh. Ah, bah le prochain, alors ça va être autre chose. Le prochain, c'est. Je pense que quand on se raconte, on se raconte aussi, et c'est lié à son expérience, à son âge. Bon, bah, c'est vrai que je peux plus faire le comique bondissant des années 80, j'ai laissé ça à mes camarades. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que je vais aborder des sujets beaucoup plus, on va dire, graves, mais peut-être beaucoup plus drôles. Le mariage, le divorce, les enfants, la vie de couple. Voilà, et ça se construit en ce moment. Il y a tellement de choses à dire. Ah, oui. Mais je pense que le public va s'y retrouver aussi. Le cinéma, c'est mécanique, c'est technique, c'est on l'a refait. Tandis que je pense que quand on est sur scène, on ne peut pas mentir. Les gens savent immédiatement si vous vibrez pour votre passion ou pas. Ce qui est bien au cinéma, c'est qu'on fait un film, et puis c'est l'idée de la duplicité. Voilà, c'est génial. Pendant que je vous parle, en ce moment, j'ai un film qui sort à Paris, et les gens me voient au cinéma, donc c'est comme si je gagnais du temps. Vous voyez, non, le cinéma, c'est très technique aussi. Je trouve que c'est peut-être un peu plus facile. J'ai fait beaucoup d'erreurs à faire des films que j'aurais pas dû faire. Mais bon, non, je ne regrette rien, comme disait Piaf. Mais c'est vrai que maintenant, le choix des films, maintenant, ça s'avère plus compliqué maintenant pour moi. Il faut que je réfléchisse à deux fois maintenant. Parce que je crois que le public et les critiques sont impardonnables. Là, on m'a demandé de sortir le revolver et de faire le méchant. Alors, Maclouf, tu vas cracher mon pote. Problème, gros con. Oh, je t'aime pas, enculé. Sur une belle rencontre avec Olivier Marchal aussi. Grand pro, et puis le metteur en scène, qui s'appelle Alain Minier. Non, c'est un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Parce que c'est un film de genre, c'est un film différent. Et on découvre peut-être sous un autre profil. C'est Jouvet qui disait « étonnez-moi, étonnez-moi ». Voilà, je ne fais que tenter d'étonner les autres. On m'avait proposé il y a quelques années d'être le récitant de Pierre et le Loup. Alors, comme ça avait bien marché, on m'a demandé de réécrire le Carnaval des animaux, que j'ai aussi beaucoup de plaisir à faire, à écrire. Et là, on m'a fait une commande d'écrire là, vraiment une œuvre originale, avec une musique originale qui est écrite et composée par Cyril Laine, qui est un jeune compositeur plein de talent. Et on m'a demandé donc d'écrire ce conte qui s'appelle Ryan et le Maestro, puis avec 8 chansons. Alors les 8 chansons, que voulez-vous, ça c'est... On a une idée aussi, puis on brode autour, alors on cherche la rime, on l'abandonne, on revient. On appelle ça du travail. Moi j'appelle pas ça du travail, j'appelle ça de la passion.
l'aventure avec Michel Legrand, on s'était rencontrés il y a 5-6 ans. Et puis un jour, le rideau s'ouvre au Casino de Paris et il était au 6e rang. Alors évidemment, une grande passion pour ce monsieur, ses musiques et ses compositions. Hein. Et puis voilà, on s'est rencontrés, nous avons beaucoup bavardé. Et puis on s'est rapprochés tous les deux pour écrire un album. Donc j'ai écrit des chansons, 12 chansons. Alors je ne vous cache pas que j'ai mis très longtemps à les écrire et qu'il a mis peu de temps pour faire les musiques. Vous voyez le génie. Je suis très très fier de qu'on puisse découvrir aussi un autre pan de ma personnalité. Parce que vous savez, ce métier-là, c'est un métier de mensonge. Surtout quand on est jeune. On fait rire parce qu'on aime faire rire, j'aime rire. Mais je pense qu'au fond de soi, il y a aussi des choses qui sont, avec le temps, qui sont beaucoup plus palpables. Donc voilà, on appelle ça la maturité. Vladimir ! Ouais ? Ah ouais, ça... Tu aimes bien la France ? Ouais ! Tu m'aimes bien ? Ouais ! T'aimes bien dire ouais ? Ouais ! Il est gentil. Vladimir. C'est un Roumain. Bien. C'est un peu nos Arabes, quoi. Et il bosse bien, lui. Je le paye en pièces jaunes. Madame. Ah ben, comme Bernadette, hein. Hein. La récompense, c'est quand on est sur scène et puis que les gens captent ce que vous dites. La récompense, c'est quand on fait un film et que les gens vous trouvent bon et qu'en tout cas, vous avez été en accord parfait avec votre personnage. Ce qui est merveilleux, c'est quand on écrit une chanson qu'elle est écoutée. Voilà, c'est un monde merveilleux, le monde de l'acteur et d'être un artiste, entre parenthèses, on va dire artiste. Je pense que l'artiste, c'est celui qui a besoin de trouver les mots pour se faire comprendre. Voilà. Il nous manque quelque chose. Alors, comme il nous manque quelque chose, on fait tout pour... On dit être acteur, on dit être peintre, on dit... Ça, c'est des mots faciles, ça, c'est des mots dans le dictionnaire. Mais il y a un mot, moi, qui est important pour moi, c'est faire l'intéressant. Je prétends que je suis resté encore un enfant. Je suis un père adulte avec une part d'enfance, ça, c'est certain. Ce que je dis dans mon spectacle, nous sommes tous des grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. Je vous fais un tour de magie ?